Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui pignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Qu'on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'ennuie, de si tu mens ou de vous abords, ils oublient que la guillotine, chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous-tit de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des coups sur son trône, je verrai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé dans les journaux de pas se découvrir dans le fil que le printemps c'était beau bientôt. Les vieux principes du 6e siècle et les vieilles traditions débiles, ils appliquent tout seul à l'aide, ils font butcher ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons, effrayés par la liberté, qu'on allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. N'oublie qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vif pétain qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulants. Être né le souci de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet, au souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flanflans. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Écrivez les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages, et par l'unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on associe un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène, Santiago comme à Paris. Être né sous-tit de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, les Français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, les raisins ferment en tout, ils sont très fiers de leur vignoble, leur Cordurone et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger, leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot, qui pourront jamais se piller. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux sont toujours aussi moroses, il y a la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, tout fait de dindes au marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit vendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.